Et salut tout le monde, c'est Jean-Bloqué, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Assassin's Creed 2. Et je crois que c'est le 26e épisode, si je me trompe pas. Je sais que j'ai un décalage entre les épisodes de l'Ultra Hardcore dans la peau et d'Assassin's Creed 2. Donc là, il y a l'air d'avoir une mission de l'autre côté. C'est ça, normalement, je me rappelle plus. En fait, d'habitude, je regarde toujours le précédent épisode en accéléré. Je regarde quelques trucs et puis hop, je sais où je vais. Et là, non. Bon, bah, c'est cette mission-là. On va bien voir. Hop. Et voilà. Ah, c'est ici. Ok. Interagir. Tout doit disparaître. Vas-y, entre. D'accord. Salut. Grâce à ton aide, nous pouvons enfin relever la tête, Ezio. Nous voilà prêts à frapper. Dis-moi simplement ce que tu attends de moi. Je ne te décevrai pas. Tu approcheras par en haut une fois la nuit tombée. Milio a posté ses archers autour du palais. Tue-les. Mais sois discret. Au fur et à mesure, mes hommes prendront leur place. Que fais-tu des gardes? Quand tu auras éliminé les archers, nous nous regrouperons devant ce bâtiment. Et alors nous verrons pour la suite. Aucun problème. Je m'occupe des archers et je vous rejoins. Tu as tout compris. Bonne chance. Dieu nous protège. Ok. Alors, on va devoir faire du crime. Voilà. On va aller par là. Alors, c'est vrai que Assassin's Creed 2 a été très bien apprécié par les joueurs, par les critiques. Et en plus, là, je vous parle, mais... Voilà, pour ceux qui... Bah, qui... Bon. Pour ceux qui seraient pas au courant, ou pour ceux qui seraient au courant, bon, aussi. Et on a appris la semaine dernière que il n'y aura pas d'Assassin's Creed en 2016. Ils vont essayer de recentrer la... Ils vont essayer de faire de recentrer la licence parce que... Il n'y a pas eu de succès, il n'y a pas eu le dernier opus, Syndicate, n'a pas eu le succès escompté, on va dire. En fait, le souci, c'est que ça a tellement pas bien marché. Descends, le voilà, Watson. Voilà. C'est que le syndicat il a pas eu de très bonnes critiques. Donc forcément ça fait deux jeux quand même. Ça fait deux jeux quand même qui n'ont pas bonne presse, on va dire. Voilà, j'essaie de vous parler en même temps. J'essaie de vous parler en même temps que je joue là, c'est vraiment pas évident parce que je dois être concentré. Allez. Discret, on avait dit. Il s'est échappé là-bas. Ne le quittez pas des yeux. D'accord.
Alors oui, donc je reviens à mon... Ouais, donc le Unity et Syndicate n'ont pas eu de bonnes critiques. Ah, vas-y fouille. Ce qui fait que... Ils sont obligés de repenser à peu près la stratégie. Hein. On va dire. Il doit pas s'enfuir. Voilà. Est-ce qu'il y a un... C'est où le papier là? Voilà. Non. On interagit comme ça. Ah, il doit être de l'autre côté, lui. Par contre, je vais me soigner un peu. Bien joué, Ezio. Jusqu'ici, tout se déroule comme prévu. En ce moment, mes hommes remplacent les archers que tu as tués. Nous allons pouvoir nous approcher du palais. Oui, mais pas nous y introduire. Les gardes d'Emilio patrouillent tout autour. Envoie mes hommes. Ils occuperont les gardes un moment. Tu n'auras pas besoin de te battre. Et surtout, quand viendra le moment de l'assaut? Pense à ce que je t'ai appris. Sois prudent, Ezio. J'espère que tu réussiras. Alors, donc, oui, on y va. Alors oui, j'essaie de reprendre mon fil, ouais. Donc ouais, bah le syndicat n'a pas eu le succès escompté, tout ça. Les fans ont, les joueurs ont eu du mal avec les. La presse a eu du mal avec aussi. Donc ils se sont retrouvés dans l'obligation de revoir leur copie, se dire Assassin's Creed en 2016, on vous en a rien en 2017. Ce qui, moi, je trouve très franchement, c'est pas plus mal. Il y a vraiment trop de gardes ici. Vraiment trop de gardes. Ah ouais. Zone non autorisée, faut que je fasse attention. Ici. Voilà, on va y aller tranquillement. Il faut que je fasse attention. Est-ce que je dois rentrer à l'intérieur? Votre petit château de cartes s'écroule, Emilio. D'un léger contretemps, ce sera vite réglé. Ce pauvre idiot d'Antonio, avec sa bande de voleurs... Oubliez-les. Vous devez vous concentrer sur l'assassin. Pourquoi? Il est à Venise? Depuis plusieurs semaines. Êtes-vous aveugle à ce point? Contrairement à vous, j'avais affaire. Il fallait bien que quelqu'un fournisse des armes à notre frère Florentin. Oui. Et nous avons tous vu le résultat. Je ne vous permets pas, Carlo. Vous avez autre chose à me dire? Le maestro veut tous nous voir. Dans 3 jours, à Santo Stefano. Très bien. J'y serai. Oui, si vous êtes toujours en vie. Moi, à votre place, je me cacherai dans un endroit plus discret. Le palais est devenu une cible. Le palais est une forteresse. Là-bas, si vous... Ne le laissez pas s'enfuir. Capzo, et s'il avait raison? Vous, faites venir mon bateau. Il n'est pas loin. À son arrivée, chargez ses caisses et tenez-vous prêts. La guardia. Et voilà, ça c'est fait. Tu n'as pas à avoir peur. Je n'ai pas peur, assassin. Tu ne comprends pas. Je cherchais l'unité, la stabilité. L'ordre. Et tout cela à quel prix? Tout progrès exige des sacrifices. Je regrette sincèrement que ça se termine ainsi.
mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. Ok. Bon, bah, on va attaquer. Hein? Désolé, c'était trop tentant. Viens, il faut ouvrir la porte à Antonio. Ah là là, ça s'inscrit. Hein. Le palais est tombé et Emilio est mort. Merci pour ton aide, Ezio. Allez, retirez les bannières d'Emilio. Rendons au peuple ce qui lui appartient. Dis-moi, Ezio. Comment vais-je bien pouvoir te récompenser? De l'argent suffira. Rien de plus facile. Et quoi d'autre? Emilio s'est entretenu avec un dénommé Carlo. Probablement un dignitaire de l'État. Tu le connais? Carlo Grimaldi, membre du Conseil des Dix. Pourquoi cette question? Qu'est-ce que tu prépares? Je dois assister à une réunion. Ok. Tout doit disparaître, la mission elle est finie. Mémoire synchronisée, séquence 7 terminée. Ah, on avance bien. Alors le truc, comme je disais, ouais, vaut mieux, c'est donner votre avis aussi dans les commentaires par rapport à cette annonce comme quoi pas d'Assassin's Creed en 2016. Et je trouve que moi c'est plutôt intéressant parce que la licence peut commencer à s'essouffler, à sortir annuellement. Il faudrait qu'il table sur un truc de tous les 2 ans ou tous les 3 ans parce que pour avoir plus de qualité, ils vont l'améliorer. Hein. J'espère qu'ils vont améliorer, ils vont repenser un peu la façon d'Assassin's Creed et d'avoir un jeu digne de la création de cette licence. Alors, tiens, je suis où? Je suis toujours à Venise. Il y a un truc par là. Il y a la mission par là-bas. Il est où notre pote là? Il est où le L là? C'est vrai, il est où son L là? Luigi là? Oh! On va aller sur ce point d'observation. Parce que je vais en avoir besoin. Apparemment, il y a une mission qui est à proximité. Il va falloir que j'aille là-bas pour le tombeau de l'assassin. C'est le truc le plus tentant que j'ai à faire. On va y aller. Par la population. Une prime d'un ducat sans pigeon viendra récompenser. On va aller par là. Donc, ouais, c'est comme je vous le disais. J'arrête pas de me perdre en fait dans ce que je veux dire. C'est vrai qu'il faut être un peu concentré quand même pour ce jeu, mais bon. Là, c'est plutôt calme, on n'a rien à faire, juste à explorer, là, pour aller de l'autre côté. C'est par où, déjà? Est-ce que je peux passer par voir terrestre? Non. Je dois nager, allez. J'arrive plus à me vautrer, hein. Voilà. On va passer par là. Bah, ouais, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, hein. Comme ça, les licences va... un peu moins s'essouffler. On va peut-être avoir le Assassin's Creed en 2017 qui valent le coup. C'est vrai que moi je les ai pas encore fait, les Assassin's Creed qui sont incriminés. Mais c'est vrai que l'annualisation, bah, elle est arrivée avec juste derrière Assassin's Creed 2. Hein. On a eu Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Révélation, qui étaient tous tirés sur Ezio.
qui fait que... j'essaie de voir comment... Normalement, je peux m'accrocher. Voilà. Et voilà. Et on synchronise. Je suis à mi-chemin de l'épisode, donc ça va. Vous savez que c'est environ 30 minutes, mais des fois, ça peut déborder. Donc, la mission, je vais pas la faire. Je veux le tombeau de l'assassin. Tombeau de l'assassin... Oh, va falloir que j'aille là. Voilà, c'est ça que je fais. Alors... Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. Moi, de toute façon, j'ai un peu pressé d'arriver aux nouveaux épisodes. Hein. Vas-y, viens. Je te bats. Voilà. Bon. C'est vrai que ce Assassin's Creed est plutôt pas mal. Ça change et tout ça. Il y a moins de répétitivité comme le précédent. Et après, c'était un essai, le précédent. C'est un essai qui s'est révélé plutôt concluant, qu'ils ont pu lancer un truc, ils se sont dit, bah ils l'avaient pas sorti tout de suite, donc ils se sont dit, hop. Comment je fais? Comment je grimpe là-dessus? Bon, bah, c'est peut-être pas par là. C'est peut-être par là. La loi ici. Je vais appeler les gardes. Loi. Quoi, bestia? Si quelqu'un. Filio di puta. Allez hop, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. C'est bien de se battre avec ça. Allez. C'est bon. Bon, je pense que c'est par là que je dois grimper. Hein. Ouais. Ça a l'air plus facile ici. Ah bah oui, c'est plus simple. Voilà. Voilà. Donc, je grimpe par là. Et je vais bientôt avoir un truc à décoder, là. Ça va être encore joyeux, comme d'habitude, parce que si c'est des énigmes que je vais galérer, ben, je vais bien le sentir, on va dire. On l'entend plus, là, d'ici. Ça doit être ici. Ah oui, il était bien planqué celui-là. La main, je deviens là-bas. Accéder au fichier. Alors. Il faut savoir que le code...
Alors, donc on a un 9 qui va avec le triangle. Donc, c'est le 9 qui va avec notre ami le triangle qui est juste là. Donc, voilà. Le 5. Il a rien, le 5 ? Ouais, mais si c'est vide, monsieur, je fais comment ? Ah, faut que je devine la suite logique. Donc, si... je vais essayer de deviner la suite logique. Donc, notre ami, le... Ta-ta-ta. Donc, ça fait un carré et un rond. On va dire c'est deux carrés. Et ici. Par contre, je sais pas du tout. Ça doit être les triangles complets. Si j'arrive à les trouver. C'est des triangles complets. Le problème. C'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a entre? Est-ce qu'il y a un truc là, en forme de L pour un carré? Non, je reviens vers là. Ok, donc c'est ça. Je pars dans la logique. Donc le 9, c'est notre ami le triangle. Voilà. Eh, premier coup. Alors, essai autorisé. Dans toute expérience scientifique, il arrive un moment où la nécessité de mesurer les résultats en extérieur à ciel ouvert finit par s'imposer. Si ces essais s'avèrent fructueux, je m'en réjouirai pas pour autant. Même si je réalise que cette étape est cruciale pour la première pierre d'un nouvel ordre mondial. L'humanité a besoin d'une main de fer pour assurer sa sécurité et sa prospérité. Une main qui ne ploierait pas sous le fardeau de la conscience. Pour toutes ces raisons, j'autorise O à procéder aux premiers essais. Je suis convaincu que l'histoire nous donnera raison. D'accord, c'est quoi ça? Voilà, c'est ça. Code trouvé, fichier décrypté. Eh, je suis presque fini. Hein. Vous voyez, c'est un peu dans le désordre. Mais bon. On y est presque. Hein. Alors maintenant, il va falloir que j'arrive à grimper là-haut. Allez, on va le faire comme ça. Voilà. Et non, sauf que je vais pas par là. Je vais juste par là. Lâche un peu. Non, pas trop. J'ai failli clamser, mais bon. Il est où? D'accord, je me tape tout le tour, en fait. Il est là-bas. Alors que je serais parti directement sur la droite, ça aurait été plus rapide. Hein? What? You? Bah... You? Tu vas pas me dire que je suis obligé de monter sur le toit?
Apparemment, si. Ouais, c'est ça. Bon, étonnant, hein. Synchroniser. Eh ben, j'ai pas peur. Alors, notre zone. Comment je vais rentrer dans le tombeau de l'assassin? C'est ça le truc. Comment je vais rentrer dans le tombeau de l'assassin? Donc. De toute façon, je sais que le tombeau de l'assassin, tu peux y accéder par un système hyper simple. Et il faut généralement le trouver. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Je vous laisse. Tour de l'horloge. Ok. Bon bah en fait c'est pas... Qu'est-ce que tu fais là-haut? Va-t'en. Vous en avez assez. Descends. Tout de suite. Vous avez les orteils froids et mouillés à cause de la pluie. Pas de temps à perdre. C'est ici, hein. Voilà. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis revenu dans la routine. Il me est retourné. Je perds le contrôle. Ce mélange dans ma tête. Qu'est-ce que ça va être foutu? Je vois Gettysburg au loin. Je viens de poignarder un homme. Il y a du sang sur mon gilet. Je suis à l'opéra. Ma soprano est vraiment très belle. Je suis au lit avec elle. Elle crie, fait l'amour. Je m'exprime lors du forum. Personne n'écoute. Oula. Je chasse dans la forêt. La lune. Je vois la... Je suis là. Je resterai jusqu'à ce que vous compreniez. Écoutez-moi. Nos dons, nos aptitudes, nous en avons hérité par notre sang. Ouais. Lignée. L'union de leurs deux mondes a planté la semence. Voici Vénus, les assassins qu'ils ont enfantés. Vénus. Voici Vénus. C'est quoi que j'ai sélectionné là? La Vénus de... Les trois garces, Jupiter, X, l'enlèvement d'Europe, Cléopâtre avant César. L'union de leurs deux mondes a planté la semence, voici Vénus, les assassins qu'ils ont enfantés. J'essaie de comprendre. D'accord. On va faire au pif. Hein. Ouais, bah je galère comme d'habitude, je connais pas la soluce. Alors, on va faire comme d'habitude.
Je comprends pas. Conseil. Je sèche. À moins que... Tout ça me rappelle une légende. Elle évoquait l'accouplement de divinités et de mortels. Je sèche. À moins que... Tout ça me rappelle une légende. Elle évoquait l'accouplement de divinités et de mortels. Cupidon... Ouais... Madame X... On va mettre Cléopâtre et... Je sèche totalement sur ce... Alors... Les glyphes à Venise. Quitter. J'essaie de comprendre. Il est également de leur devoir d'en avertir tous les visiteurs de notre république sérénissime. Je m'adresse aux citoyens les plus respectables de la cité 18, de peut-être. Je tiens à porter à votre attention qu'un bal masqué sera organisé devant le palais. Oui, c'est le glyphe 18. C'est Andolo lui-même. Le dôme là, je vois un dôme sur l'image là qui nous montre. Sur l'image, il y a un dôme là, là, avec une tour, voilà. Votre attention, nous rappelons à tous les citoyens que certains ponts de la cité sont en cours de restauration. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, mais nous vous rappelons qu'il est inutile de s'en prendre aux ouvriers. Alors, je vais essayer de... Excusez-moi, j'essaie de vraiment... Je m'adresse aux citoyens les plus respectables de la cité de Venise. Je tiens à porter à votre attention qu'un bal masqué sera organisé devant le palais d'Andolo dans une semaine. Glyphe... Venise. Par ordre du temps, les personnes ne portant pas de message pourront être abattues librement par la population. Les glyphes de Venise. Viendra récompenser les plus industrieux. Vous en avez assez d'être mal dans vos bottes. Vous avez les yeux froids et mouillés à cause. Je sais pas, c'est ça le pire, c'est que... Comment ça remarche, ça? Base de données. La vérité. Voilà, le dernier, il est là. Vous voyez, c'est sûr qu'il n'est pas découvert. Hop, on arrête ça. Et on reclique. Oh, ça, c'est casse-burne, hein. J'ai la page qui rame. Bon bah je crois qu'au... Non je sais pas, ouais. Ah je me tâte.
Moi, j'ai mon navigateur sur le mobile qui déconne. Hein. Je sais pas ce qui se passe. D'accord, je sais pas. Bon, ben, vous savez quoi, on va se quitter ici. Hein. On va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Let's Play d'Assassin's Creed 2, parce que là, pour l'instant... Je sèche un peu là pour trouver la solution. C'est un peu compliqué hein. Mais bon, on se dit à la rendez-vous la semaine prochaine et moi je vais peut-être tourner d'affilée pour voir la réponse et que vous ayez cette réponse là. Là c'était. Ouais, on se dit à la prochaine, ciao bye bye.